Il s'agit d'un exercice sur la lecture graphique des termes d'une suite définie par récurrence. L'énoncé intégral se trouve sur maitreguyon.fr. La première question va être traitée rapidement. En fait, c'est une histoire de fournisseur qui fait une étude sur la fidélité de sa clientèle depuis l'année 2018, l'année à laquelle il avait 200 clients. Et en fait, il observe que chaque année, sa clientèle est composée de 50% des clients de l'année précédente, auxquels on doit rajouter 400. Alors, comme UN correspond au nombre de clients à l'année 2018 plus N, U0 va donc correspondre au nombre de centaines de clients en 2018. Et donc, l'énoncé me dit clairement que comme il y en avait 200, U0 vaut 2. La deuxième question consiste à déterminer le programme de calcul. C'est assez intuitif vu l'énoncé, c'est-à-dire que U1, la première année en 2019, va être composée des 50% de l'année précédente, donc 0,5 fois UN, auquel on va ajouter 400, donc plus 4, 4 centaines. Donc U1 est égal à 0,5 UN plus 4. Et de la même façon, on pourrait calculer U2, qui vaudrait 0,5 fois U1 plus 4, etc. On comprend bien le moteur qui se met en place, et du coup, en posant un N quelconque, un N entier naturel, on pourrait montrer facilement que UN plus 1, le nombre de clients à l'année N plus 1, est égal à 0,5 fois UN, la moitié des clients de l'année précédente, plus 4. Et donc, on a bien démontré que UN plus 1 est égal à 0,5 UN plus 4. La vraie question de l'exercice est la suivante, qui consiste à représenter graphiquement les termes, les premiers termes de cette suite. Pour cela, on a doté donc d'une représentation graphique qui est ci-contre. Là, on a représenté deux fonctions, une en rouge, une en bleu. La fonction en rouge est la représentation graphique de la fonction f, définie par f de x égale à 0,5x plus 4. Et la fonction représentée en bleu est la fonction f de x égale à x. En fait, c'est la droite, la première bisectrice du plan, y est égal à x. On comprend bien que la fonction f qui est représentée là donc en rouge est celle qui est associée à ma suite un dont on vient de parler. C'est-à-dire que comme f de x est égal à 0,5x plus 4, on a donc un plus 1 est égal à f de un. C'est-à-dire que u1 est égal à f de u0, u2 est égal à f de u1, etc. Et donc, sans calculer les termes de ma suite, en utilisant uniquement la représentation graphique, on va pouvoir faire comme on faisait avec des études de fonctions classiques, antécédents, images, trouver graphiquement les différents termes de ma suite. Quand on a par exemple U2 est égal à F de U1, ce qu'il faut comprendre c'est que U1 est donc l'antécédent, et l'antécédent va se lire sur l'axe des abscisses, alors que U2, qui est donc l'image de U1, par la fonction F, va se lire sur l'axe des ordonnées. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir, à partir d'un terme de la suite qu'on va trouver sur l'axe des abscisses, trouver son image, le terme suivant, sur l'axe des ordonnées. Alors commençons, on sait que U0 vaut 4, donc plaçons U0 sur l'axe des abscisses, c'est un antécédent. À partir de là, on va chercher U1, et U1 c'est f de U0. Donc on va utiliser la fonction f, donc la droite rouge, et on va trouver l'image de U0 à partir, on va lire donc graphiquement l'image de U0, et donc on va projeter et lire sur l'axe des ordonnées le nombre correspondant, c'est donc 6, et on a trouvé donc U1, l'image de U0 par la fonction f, on le lit graphiquement et on peut le placer sur l'axe des ordonnées. La difficulté, c'est que maintenant, je vais avoir besoin de U1 en antécédent pour calculer U2, puisque U2 est égal à f de U1. Il faut donc transférer la valeur de U1 de l'axe des ordonnées sur l'axe des abscisses. On pourrait le faire comme ça visuellement, on a trouvé 6, on pourrait reporter, mais ce ne serait pas très rigoureux pour des valeurs qui seraient moins, pour des valeurs qui ne seraient pas entières. Et c'est là où l'intérêt de la droite bleue, la fonction f de x égale à x intervient, puisque f de x égale à x associe une valeur d'un axe, lui associe la même valeur sur l'autre axe. Antécédent et image sont égaux. Du coup, si je cherche l'antécédent de U1 par la fonction f de x égale à x, avec la droite bleue, ça me permet de projeter sur l'axe des abscisses la même valeur, c'est-à-dire U1. Et donc, j'ai maintenant U1 qui vaut 6 sur l'axe des abscisses. Et une fois que j'ai U1 sur l'axe des abscisses, c'est donc un antécédent, je peux donc utiliser maintenant la droite rouge, la fonction f, pour lui calculer, en tout cas lire graphiquement, f de U1, que je vais lire maintenant sur l'axe des ordonnées. Et f de U1 sur l'axe des ordonnées, ça va me donner U2. Et je lis donc que U2 vaut 7. Mais donc U2 maintenant, est, comme tout à l'heure pour U1, sur le mauvais axe, il est sur l'axe des ordonnées, pour le transférer sur l'axe des abscisses, on utilise la fonction f de x égale à x, et on va lire l'antécédent de U2 qu'on va pouvoir graphiquement représenter avec la droite bleue. Et c'est ainsi qu'on retrouve U2 qui vaut 7 sur mon axe des abscisses. Et on continue
encore une fois le même algorithme. Maintenant que j'ai U2 sur mon axe des abscisses, pour trouver U3, j'utilise à la droite rouge, trouver l'image de U2 par la fonction f. On voit que la valeur maintenant n'est plus une valeur entière, on commence à taper dans des valeurs moins précises. C'est pour ça que l'intérêt de cet algorithme va être de pouvoir continuer à travailler même lorsqu'on n'aura pas des valeurs entières. Et on obtient ainsi U3 qui vaut environ 7,5. Le 7,5 va être maintenant projeté de l'axe des ordonnées sur l'axe des abscisses grâce à ma droite bleue, ainsi de suite. Et on comprend bien au fur et à mesure que les valeurs U0, U1, U2, U3 semble être croissante, la suite semble être croissante, mais la suite semble converger vers une certaine valeur. On voit bien, les deux droites se ferment un peu, comme un entonnoir, et les valeurs des termes de la suite semblent converger vers l'abscisse de l'intersection, c'est-à-dire vers 8. C'est une conjecture, nous n'avons rien démontré, mais il semblerait que cette suite ait une valeur limite qui soit 8. Ce que vous devez maîtriser, c'est l'algorithme de construction que nous venons d'opérer. Cet exercice est terminé.